Bon, bah on a fait l'intro pour Forza Horizon 5, on est en live. Mais maintenant, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, hein. L'intro, on essaye 3-4 véhicules vite fait. Là, on doit créer notre personnage, donc bah on va faire une meuf, hein, je pense, hein. On a quoi comme personnage? Elle est stylée, elle. Faut voir, je sais pas. Je regarde vite fait, rapidement. Ouais, la mieux, c'est elle, je pense, en vrai, non? Je sais pas. Il arrive en Les parfait coupes de cheveux, les secondé, coiffures vous allez de... le Ouais. rencontrer. En vrai, celle-là était stylée. Bah, je sais pas, attends, je regarde. Y a pas une... En vrai, y a pas grand-chose. Bon, c'est normal, après, le personnage, on le voit pas de ouf, hein, dans le jeu. C'est pas non plus un jeu... Voilà, c'est pour les véhicules, surtout. C'est comme dans The Crew, les gars. Dans The Crew, on pouvait personnaliser le personnage et tout. Je regarde vite fait les autres persos. Ouais, c'est vraiment la mieux, hein, celle que j'ai prise, je pense. Hein. Je pense. On peut changer la couleur. Blond clair, vas-y, blond clair. On peut mettre des prothèses, les gars. On peut mettre des prothèses. Non, mais je mets pas de prothèses. Identité, elle. Superstar, ça vraiment. Bon, ça marche? C'est sûr qu'on connaît le son de ma voix maintenant. Test, test. Hey oh! Ok, mais c'est ça, du coup. Hein. Vous pouvez modifier votre personnage quand vous souhaitez en vous rendant sur le site du festival de votre maison. Ok, let's go. Allez, on perd pas de temps, les gars. J'ai lancé directement, en fait, après l'intro, on essayait tous les véhicules. Parce que j'ai crash en plein live, du coup, c'était pas très propre pour la vidéo. Voilà. De toute façon, si je recrash d'ici là, il y aura... Ce sera peut-être pas reposté sur YouTube. Hein. Voilà, on verra. Let's go! Putain, je voulais tellement tester ce jeu, il est beau et tout. Bien sûr, on n'est pas en ultra puisqu'on est en stream. Je peux pas jouer en ultra en stream, en vidéo. Je peux me permettre, parfois. Mais pas en. Pas en live. J'avoue, il est beau. Ouais, il est beau. Il est beau de ouf. Et sur PC en ultra, il doit être encore plus magnifique. Hein. Et Xbox Series X, S, ça va être incroyable. Faut que je m'achète une Xbox, je crois. Et une PS5, faut que je m'achète toutes les consoles. Parce que là, on a la. En fait, je me disais, j'ai la Switch, tu vois. Et j'ai le PC. Et sur PC, je peux jouer au jeu, voilà, Xbox. Mais c'est vrai que c'est galère. Quand je stream. En fait, j'essayais surtout de ne pas y penser. Jamin m'avait dit de m'attendre à du lourd avec toi, mais. Rien d'aussi. D'aussi. Bon, après, les personnages, c'est pas ça. On voit que c'est un jeu vidéo de véhicules. Ça se voit qu'ils ont tout mis dans les véhicules et dans les paysages. Les personnages sont dit, bon, on va faire un truc vite fait. On va pas perdre trop de temps avec les personnages. Là, on est au niveau du remaster Grand Theft Auto. Si bon, j'abuse un peu, mais on n'est pas loin quand même. C'est à toi, non? Ton vol s'est bien passé? Pas mal. La procédure de sortie était un peu brutale. Ouais, j'imagine. Bien. Ramiro s'occupera de tes expéditions. Je coordonne la logistique du festival. Ce qui nous laisse. Cousine! Viens! On pouvait pas personnaliser les vêtements, je crois pas. Hein. J'aurais vu quand même. Fais gaffe à qui t'appelle cousine, petit cousin. J'ai vu ce que t'as fait au Royaume-Uni. Parce que là, on a vraiment une dégaine de clochard. Hein. Alejandra, c'est ça? Si ce qu'on dit sur tes compétences en mécanique est vrai, je n'en doute pas. Ah, en parlant de ça, la livraison est arrivée? C'est arrivé ce matin. Yes! Waouh, trop cool. Sacrée collection. T'as du goût. Je vais les amener au garage. Mais laquelle tu veux sortir en premier? Laquelle, les gars? Laquelle? Oh là 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 là, attendez, je regarde. Oh, celle-là, elle est stylée de ouf, non? Toyota? Chevrolet? Ford, Toyota? Toyota, les gars! Oh, la Supra A90, l'héritière d'une des plus célèbres voitures jamais construites. Un très bon choix, surtout si t'aimes le drift. Elle est beau, elle est belle. Hein. Tout est beau, c'est magnifique quand même. Ah, peut-être ça va me pousser à passer le permis, tout ça, les gars. Non, on sait jamais. Hein. Je vais faire un tour avec la Supra. Ah là 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 là, les gars. Super. Ça donne envie, c'est vrai, hein, j'avoue que. Qu'est-ce que je mets? Ok, ça va rentrer. On va mettre Evaline, je pense. On va dire que c'est notre personnage. Merde, attendez. C'est où V? Est-ce que je peux au moins? Normalement oui, V. PQRST. A. L. I.
Et puis le E. Et puis après on peut rajouter quoi? Un chiffre ou un petit logo comme ça? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi les logos comme ça? Je vais rien mettre je pense. On va laisser comme ça. Hein. Ou alors vas-y on met un petit truc rose là, je sais pas. Allez. J'amène tes autres voitures au garage. Comme ça, je sinon ça faisait un peu blanc, un peu vide elle. Je trouve. Evaline. C'est la petite notre petit personnage, voilà. Ça sonne. Ah j'aurais dû prendre une Xbox les gars. Salut, j'aurais dû prendre une Xbox, il y aurait moins de je soucis. Je sais que tu viens d'arriver, mais le premier rassemblement est prêt. On verra. Il nous manque juste une superstar. Ça bat de l'aile, rassemblement. Calculer un itinéraire. Mais faut que je revende des trucs là, pour me faire de l'argent. J'espère un peu. Que t'es en forme. Oh, je suis prête depuis longtemps. J'arrive. Ce sera plus simple à se procurer que salut le PlayStation, tout le monde, je pense. Scott Tyler sur Bass Arena. Le festival Horizon a officiellement commencé et ça s'annonce. Bon après le jeu je l'ai pris sur PC, normalement je crois pas que je l'ai. Ouais je l'ai pris sur Steam, je l'aurais pas sur PC. Voilà, quel autre nouveau rassemblement. Alors, prête pour le grand décollage, Mia. Voilà je fais n'importe quoi. Quoi t'as besoin de moi là. Trop génial. Horizon, grande nouvelle, je dois y aller là. Bah après on peut rouler tranquille aussi hein. Down. C'est que ça c'est des joueurs tout ça. C'est des joueurs tout ça là. C'est la première fois que je découvre Horizon complètement. J'ai jamais joué un jeu Horizon de ma vie. Putain la ville est stylée de ouf. Dans la ville est vraiment mètres, classe. Vous arriverez à destination. Dans 400 mètres, vous arriverez à destination. On arrive à destination enfin. Rassemblement. Un rassemblement. Allez. Ah, c'est vrai que ma dégaine elle a chié quand même, mais faut que je change tout ça un peu là. Y a pas des belles vestes. Je sais pas, des belles vestes en cuir ou je sais pas moi. Je sais pas trop ce que prépare ton prochain adversaire de rassemblement. Comment c'est les prochaines courses ? Apparemment, il y aurait des surprises pour toi dans la soute de l'avion. Bon, qu'est-ce qu'on doit faire là ? Juste une ligne droite ? Scott Taylor qui vous parle en direct d'un avion. Mais oui, ma petite dame, je suis dans les airs. Oh, j'ai de ces pêches, moi. Allez, ce coup-ci, on met le paquet sur notre superstar. Pilote, à droite. Non, j'ai changé d'avis. À gauche. Bon, en vrai, ça tourne bien pour l'instant, donc... on n'a pas besoin d'acheter l'Xbox. Économie, yes. Non mais je devrais pas avoir de soucis normalement sur ce PC, c'est pas normal. J'ai souvent des problèmes alors que je devrais pas avec le matos que j'ai quoi. Bon mais ça va en vrai je gère non niveau conduite. Après peut-être que là j'ai des véhicules plus bien appropriés pour les routes que je prends quoi. Je sais pas. Est-ce que le son ça va? Est-ce qu'il y a quelqu'un sur le stream qui peut me dire ou pas m'indiquer? Mais là je roule à fond là. Je peux pas aller plus vite. Hein. Je freine même pas là. Jamais. Hé hey, les portes de la soute s'ouvrent. Vous voulez que je la ferme et qu'on continue? Ouais, c'est ça le plan. C'est quoi sa voix lui? C'est quoi cette voix là? Oh putain y'a des. C'est... Allez les motards. Mais qu'est-ce qu'ils foutent là les motards là? Je vais les renverser. Oh putain, putain, non, 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 non. Oh, je m'attendais pas à ça. En effet, je ne m'attendais pas à ça. Mais comment on prend les virages comme ça aussi serrés? C'est impossible.
Comment? Je veux pas prendre les virages un peu en mode Mario Kart. Parce que là c'est serré de ouf. Les motards, ouais, ils vont arriver avant moi, normal. C'est des tricheurs de toute façon, c'est des tricheurs, ils évitent les embouteillages et tout, tout le temps. Voilà. Faut que je me concentre parce que là je parle un peu trop. Et je vais faire des conneries. Comme souvent sur cette chaîne. Pourquoi? Oh non, point de contrôle manqué, non! Non! C'est trop bien le rembobinage. Bon après c'est un peu de la tricherie en vrai. Oh j'ai cru qu'il fallait tourner. Je l'ai vu tourner l'autre, j'ai cru qu'il fallait tourner les gars, j'allais tourner, j'allais me prendre un truc dans la gueule. Rembobinage encore on aurait fait. Alors attention là c'est un virage serré, hein, c'est bien rouge. Voilà, on a bien pris le. Pas le virage, hein, on a pris le checkpoint normalement, donc il n'y a pas de souci. Mais c'est quoi cette voix qu'il a lui les gars? Insupportable la voix. Mais c'est quoi Wingsuit? Mais c'est quoi ta gueule, c'est ouf. Mais bon c'est toujours moi. Pourquoi il y a une voix comme ça les gars, c'est horrible. Dernière ligne droite et il fonce toujours. C'est abominable. Ok. Bon. Terminé premier. Ok. Nice. En même temps, équipe de cascadeurs, voilà, il n'y avait pas grand monde. Hein. Après, ils sont en moto. Hein. C'est un peu de la triche, quoi. C'est un petit peu de la triche. Joe in real life. Faut que je change mon nom sur Xbox. Oh, ajoutez à votre garage. Yes, on a un véhicule de plus. Nous avons un véhicule supplémentaire. Est-ce que j'ai toujours le premier véhicule, moi? Nombre de podiums, 1. Ok, très bien. Nombre de victoires, 1. C'est bien ce truc, total des gains, 11645 CR. Et c'est quoi les CR comme argent? Ça correspond à quoi? Donc on est de retour sur la route, tout simplement. Tout le festival parle de toi. Et on doit retourner sur le site du festival, donc. Si tu peux me retrouver au festival, on en lira quelques-uns et on discutera de ce que tu veux faire pour la suite. C'est bon, merci Ellie, à bientôt. Attendez, je voulais juste voir un truc. Nouvelle voiture ajoutée au garage, ok. On a la carte du monde, donc. Retour. On peut pas dézoomer? Putain, le monde, c'est tellement grand, les gars. C'est pas mal. Hein. Après, à voir ce qu'il y aura avec les DLC. Imaginez, il y a un agrandissement ou des trucs. Déjà, il y aura des véhicules. Aventure Horizon, sélection de festival. Donc, véhicules, j'en ai combien? 4, non? 4? Hola, mes amigas. Ah ouais? Voici l'ensemble des voitures qui t'appartiennent. Rara, comme tu peux le voir, il t'en manque encore quelques-unes. Donc, c'était les 3 premiers véhicules. Il va falloir faire quelque chose. Putain, et les gars, on collectionne les véhicules. Hein. C'est fou, quand même. Ok, interface de création, interface création, ok. Boutique, passe voiture, pack de voiture. Donc ça c'est le pass, c'est l'extension en gros. Par contre pour ma tenue, je du sais pas. C'était quelqu'un en wingsuit, à moto, dans un avion cargo. C'est bien ça? Non mais je préfère vérifier avant d'envoyer un message à mes potes à la maison. Oh, allez, hop. Un gros emoji étoile pour toi, superstar. Et envoyé. Et maintenant, un peu de Foo Fighters. Je suis en train de l'embêter, le mec. Mais c'est vraiment un mec qui joue en ligne, ça? Vous avez remporté un point de prouesse. Vous pouvez utiliser votre point de prouesse ici pour déverrouiller des avantages. Chaque voiture possède son propre ensemble d'avantages, offrant des bonus uniques. Les points de prouesse peuvent être dépensés sur n'importe laquelle de vos voitures. Qu'est-ce qu'on peut utiliser?
Vas-y, venez, on prend ça. Hein. Posséder cette voiture va apporter certainement 3000 XP. Ok. Ok, on utilise notre point de prouesse. Les points de prouesse. Je connaissais pas du tout. Yo, Padaru, comment tu vas? Comment ça va, Padaru? Donc t'as vu, on est sur Forza Horizon 5. On a fait du Animal Crossing tout à l'heure. Et pendant presque 2 heures, je crois. Et là, on est parti sur Forza Horizon 5. J'ai dû couper le live parce que j'avais une mise à jour d'un pilote graphique à faire. Il nous faut à chaque fois un pilote expérimenté. Ça t'intéresse? Moi, ça va très bien. Mon amie Carmen veut photographier des tempêtes dans la région. Elle a besoin de quelqu'un qui sache se débrouiller en tout terrain. Quant à Alejandra, elle est à la recherche d'une voiture disparue il y a bien longtemps. Ouais, je sais me débrouiller. Il reste un peu de temps avant la prochaine grosse épreuve. Tu vas contacter qui en premier? Peu importe. Alors, est-ce qu'on fait... vraiment besoin de vous retrouver une vieille voiture abandonnée ou... Comment tu crois que ça le fera au niveau du temps? Bon, on est obligé de faire m'occuper de l'autre plus tard. Vas-y, on va faire ça. Bien sûr. Après tout, c'est mon boulot de m'en assurer. Je vais aider Carmen. Compris. Je vais dire à Alejandra que tu l'aideras plus tard. Mais les mecs, je comprends pas, qu'est-ce qu'on fout là? Hola, amiga. Ailey m'a dit qu'elle a trouvé un pilote qui n'a pas froid aux yeux. Tu as déjà suivi une tempête de sable mexicaine? Mais du coup, je vais devoir faire des photos. Rencontrer Carmen. Mais non, mais les mecs, putain, après demain les GTA, ouais, trilogie GTA, ouais. Sur Switch apparemment beaucoup moins beau que sur les autres plateformes, mais bon, si je les prends c'est pour jouer en portable surtout. Parce que je pense qu'on va y jouer vite fait, tu vois, en live. Et après je jouerai sûrement en live tout seul, quoi. On va sûrement faire la découverte, vite fait voir comment ça tourne sur Switch. Ah merde, attendez, je croyais que ça allait me lancer direct dans la mission. Mais pas du tout. Pas du tout en fait, pas du tout. Donc j'y vais comme ça et j'appuie sur X. Commencer. Dans la tempête. Dans la tempête. On aura fait pas mal de live aujourd'hui. On a fait un gros live quand même. C'est toi la superstar dont tout le monde parle? Ellie m'a demandé des photos de toutes les voitures du festival pour la promo Horizon. Et il nous faut bien sûr des clichés illustrant la vitesse. Je peux aller vite. C'est parti. Ah, je vais juste aller vite, ok. Ok, pas de soucis, easy money, en plus avec une Jeep, c'est stylé. Pour la promo Horizon, il suffit de prendre une photo de la voiture. Et comment je prends une photo? Autant pimenter un peu les choses. Cap sur la tempête pour trouver l'emplacement idéal. Vous m'avez pas dit la touche pour la photo? Je désactive la radio, les gars. Il se passe des choses étranges pendant une tempête. On raconte qu'une exploratrice s'est même perdue et qu'elle s'en est sortie qu'après avoir découvert une énorme statue. Et Padaru, du coup, ça va, le son, on entend bien par rapport au jeu et tout, c'est cool. Bien sûr, mais... Parce que, je sais pas, j'ai l'impression que c'est fort un peu. Si je peux conduire cette voiture au cœur de cette tempête, je suis partante. Donc là, on doit aller à 1,5 km au cœur de la tempête. Et moi, on m'entend bien, surtout moi, les gars. Faut qu'on entende le jeu, mais faut qu'on entende mon commentaire aussi, enfin ce que je dis. Ok, ça va assez vite en vrai. Ouais, le jeu est beau, c'est vrai. Le jeu est magnifique. Après, j'ai un peu diminué les graphismes parce que, comme je suis en live, je peux pas jouer en ultra. Sinon, j'ai peur d'avoir des pertes. Ça se trouve, je peux, hein, mais j'ai pas envie de tenter, j'ai peur d'avoir des pertes. Donc appuyez. Tu la vois dans le sable ? Prends une photo de cette statue. Ok. Donc là j'ai appuyé sur la touche. Et je fais quoi ? Je prends une photo comme ça ? D'accord. On a des petites missions comme ça, on doit faire des photos. Les photos sont magnifiques, mais il n'y a pas de statue comme ça dans les environs normalement. C'est peut-être la tempête qui l'a mise au jour. Ouais, c'est sûrement les ça. Voix me disaient un truc, les gars. J'ai envoyé ces photos à Ellie. Les voix de certaines certains personnages me disaient un truc. Je te ferai signe. De ouf. Progression, succès, le sens du spectacle jusqu'à l'horizon. J'ai eu plein de succès. On a lancé tout un tas de nouvelles épreuves. À toi de jouer. Fonce et montre-nous ce dont une superstar est capable. Ouais, à toi de jouer. Ce que tu fais peut te rapporter des distinctions.
vois ça comme des mini-défis liés aux courses, aux cascades, à l'exploration, etc. Une fois que t'auras assez de distinctions, alors, on pourra s'étendre et lancer un nouveau chapitre de l'aventure Horizon. Alors, tu veux commencer par quoi? Oh, je sais pas. Gagner sur circuit Esmeralda. C'est quoi cross-country? Cross-country. Piste d'aéroport, c'est quoi ça? Le truc, c'est qu'il faut se déplacer jusqu'aux endroits à chaque fois. On peut pas se TP là. Et ouais, les gars. Bon, on va faire le plus proche. On a celui-là ou celui-là. Ça, c'est quoi? Obtenir une étoile dans la zone de vitesse de Punta Allen. Sinon, on a la course, le circuit. Tu dirais pas non à quelques courses? Vas-y, on va faire un circuit. Je vois que tu as craqué. Salut, Gaëtan. Yes, j'ai craqué Joe in Real Life, normalement tout accroché. Je crois que c'est ça mon pseudo, je sais pas. Je sais pas du tout, mais je crois que c'est ça. Est-ce que si je mets pause, on le voit? Ouais, regarde en haut à gauche. Joe in Real Life, tout accroché. Mais je sais pas, j'arrivais pas à me connecter à mon truc. Mais sur le jeu, j'ai réussi. Donc on verra. Je le lance pour voir. Ah, tu l'as? Mais tout à l'heure j'ai crash parce que je sais pas pourquoi, c'est à cause du jeu ou si c'est moi. Vous avez atteint votre destination. Qu'est-ce que je fais? Non, pas rembobinage. Non, mais qu'est-ce que je fais? Putain. Je voulais pas rembobiner. Il y a un moucheron qui m'emmerde depuis tout à l'heure. Attends, c'est où? C'est derrière moi ou c'est devant moi? Derrière moi. Le jeu est vraiment beau quand même, hein. Le jeu est magnifique, hein. On va pas se mentir. Mais putain, je me trompe de touche à cause de la Switch! Parce que je confonds le B! Tu le lances en cloud avec Game Pass, flemme d'installer. Mais tu joues sur quoi? C'est tout inversé, à chaque fois je confonds les touches, ça m'énerve. C'est trop perturbant. Recommander, c'est quoi le mieux là? Vas-y, j'ai pas testé celle-là. Les deux autres, j'ai testé. J'ai pas testé celle-là. Je peux tester celle-là. Mais tu joues sur quoi? Sur PC ou sur Xbox, carrément? Parce que moi, je joue sur PC. J'ai pas de Xbox. Après, comme j'ai un PC, je me suis dit, ça sert à rien d'acheter la console. Mais d'un côté, j'aurais pas de problème, quoi. PC avec la version Xbox en cloud. Ah, ok. Ok. Et moi j'ai pas le Game Pass. C'est vrai qu'avec le Game Pass au moins il était 12€ par mois. L'autre il m'a dit je peux jouer. Commencer épreuve de course, ben let's go. Je sais pas comment rejoindre quelqu'un. Moi non plus je viens juste de lancer le jeu là. C'est la découverte. Là même c'est chiant d'inverser les touches. Ouais, c'est trop prise de tête là. Est-ce que je vais arriver à faire la course correctement? Est-ce que je vais y arriver? Faut être concentré de fou par contre. Hein. Parce que moi, les virages et tout, sinon, laisse tomber. Hein. J'arrive pas, les virages, j'ai un problème. Il y avait un véhicule, j'y arrivais très bien tout à l'heure. En plus, on était sur la terre, carrément. Et là, ça patine un peu. Juste lancer et fait le tuto. Ah, ok. Et tu l'as appris aujourd'hui, du coup. Parce qu'il y avait l'édition premium pour les gens qui voulaient jouer plus tôt. L'édition premium permettait de jouer depuis le 5. Moi, je l'ai pris aujourd'hui... Bon, là on est 6ème. Là on est 5ème. 4ème. Troisième.
Ok, c'est bon. J'ai trop peur dans les virages. Oh là là là. Non, non, non. Oui, c'est bon. Non! Non! Il reste encore un tour. Non! Mais calmez-vous, là! Ça veut pas... Faut que je l'installe. Pourquoi? Ça marche pas en cloud? Bon, bon, on est encore sixième. On va rester sixième indéfiniment, je crois. Là, si je me fais dépasser, par contre, encore, je pleure. Le jeu est quand même assez difficile. Hein. Il y a quand même une difficulté. Hein. C'est pas easy. Ça change de Hot Wheels, les gars. Ça change de Hot Wheels, qui est un très bon jeu aussi. Hein, mais c'est vrai que là, les virages et tout, c'est tellement dur. On approche de la fin. Après, si on est sur le podium, c'est pas mal, tu vois. Mais j'ai envie d'être premier quand même. Moi. Ah, on est troisième, les gars. On est troisième. Hein. En cloud, je peux que solo. C'est bizarre. Ah ouais. Putain, troisième. Et on commence juste le jeu. Hein. Mais c'est pas facile. Enfin, peut-être qu'on aurait dû rester sur notre véhicule qu'on voulait, enfin l'autre qu'on avait à la base, quoi. Putain, c'est lui qui a gagné, quoi. Et ça, c'est un vrai joueur aussi ou pas? Fais un tirage. Il y a un super prix à tous les coups. Il te suffit de faire tourner la roue. Yes, une Honda, les gars. Apparemment, il y a tellement de véhicules dans le jeu. Ellie, c'était comment? Pas mal. Les dernières épreuves d'Horizon sont disponibles sur la carte. L'important, c'est d'explorer et de s'amuser. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Oh, on n'a pas fini, on n'a pas fini, on n'a pas gagné, on n'a pas été premier. Bon, on va tester différents trucs quand même, on y retournera. C'est qui que je vois sur la map? James Rhodes, Corvette. Pourquoi je vois un mec prêt? Non, il a disparu. On va aller là au pire. Merde, j'ai pas calculé l'itinéraire. Je me trompe toujours de touche. Faites demi-tour dès que possible. C'est possible instantanément. Dans 400 mètres, tournez à droite. Tournez à droite. Dans 400 mètres, tournez à gauche. Donc c'est quoi? Voilà. Comme ça, on va voir en quoi ça consiste, ça. Vous avez atteint votre destination. Mais c'est où? C'est quoi? Mais c'est quoi? Je comprends pas. Y a rien. J'ai un truc à faire ici? En quoi ça consiste? Extérieur novice de obtenir étoile dans la zone de vitesse. Donc je dois rouler à fond sur cette zone? Je t'ai ajouté un ami Microsoft. J'ai peur là de quitter et que ça me crache en fait, Gaëtan. Tout à l'heure ça a crash. Après, de toute façon, le jeu, je vais le faire de temps en temps quand même en live. Donc. Ah, ok, ok. On sait que moi, j'ai mis 5 heures pour l'installation, je crois. Putain, mais comment je vais faire la zone? C'est toute ça, la zone? C'est tout ça? Ok, je dois jamais lâcher l'accélérateur, c'est ça? Je dois tout le temps... Ouais, mais là, c'est pas possible. Ok, c'est bon, ça c'est fait.
Expert de Punta Allen. Ok. Joli virage propre. Mais pourquoi? Attends, ils m'ont dit quoi? Ah, j'ai gagné un point. Ah ouais. Ah, attendez, je vais regarder ce que je peux augmenter. J'ai envie de faire ça. Obtenez instantanément un super tirage si t'as remporté 3 gros lots. Pour déverrouiller cet avantage, quoi? Vous devez d'abord déverrouiller un truc adjacent. Mais ça, je l'ai déverrouillé, ça, non? Ah non, c'était sur l'autre véhicule. Merde. Ok. Bon, mais comme ça, je vais prendre l'XP alors. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, on n'est pas maître de Punta Allen. À chaque fois, j'arrive à faire les choses, mais jamais jusqu'au bout, quoi. C'est ouf, hein. Et au festival, je peux faire quoi? Et est-ce qu'il y a possible de changer la tenue du personnage ou pas? Est-ce qu'il y a possibilité? Je vais aller faire cette course là, je pense. Faites demi-tour dès que possible. Parce que t-shirt short, au début il disait que oui. Nouveau calcul de l'itinéraire. J'ai pas trouvé. Ouais, moi non plus j'ai pas trouvé. Hein. Ah, peut-être que c'est possible, mais pas pour l'instant, je sais pas. Je sais pas, faut voir s'il y en a. Enfin, faut regarder des gameplays, voir s'il y en a qui ont réussi. C'est trop beau les lumières là-bas, vas-y, je vais direct comme ça. On coupe. Dans 400 mètres, tournez à gauche. Eh, j'ai fait un truc de vitesse sans faire exprès. Ah merde, fallait tourner à gauche. Tourner à gauche. Ah ouais, je peux tourner après. Mais le festival, il sert à quoi là? Dans 100 mètres, tourner à gauche. Heureusement que c'est un désert, ouais. Bah, c'est Mexico. Avant, c'était où? C'était en Angleterre, je crois, là. Je crois que c'était en Angleterre, l'autre. Salut, ami PSG, comment tu vas? Bonsoir. Enfin, bonsoir, on n'est pas encore vraiment le soir. Ouais, c'est la pré-soirée, tu vois, c'est un. Avant la soirée. Coop, courant coop avec d'autres joueurs, hein. JCJ. Ah, c'est stylé. Bon, pour l'instant, je peux faire que solo, on dirait. Pour l'instant, je peux pas faire coop ni rien. C'est quoi ça? Ça change quoi? Ça, c'est une création de la communauté. Mais je vais faire ça, hein. Mais ça veut dire quoi? A, B et tout? Bon, j'ai gardé la Toyota. Le rang de la voiture, ok. Je kiffe le GPS. Moi, on dirait le mien en vrai. Faites demi-tour dès que possible. Ouais, c'est ça. Hein. C'est un GPS. Ouais, c'est comme les vrais GPS. Par contre, regarde-moi ça, c'est trop beau. Et j'ai pas activé le retracing, j'ai désactivé plein de trucs, je suis pas en ultra. Et rien que là, le jeu est beau. Faudrait que je teste en ultra hors live. Comment tu vas? Ça va très bien et toi? Mais les Forza, ça a toujours été magnifique, je trouve. La cartouche, c'est un mec que j'ai en ami, ça, je crois, sur... Je crois que c'est un mec que j'ai en ami. Il joue avec moi là actuellement. Il y a un mec, son pseudo c'est La Cartouche. Et ouais, je l'ai en ami sur Xbox, je crois. Il m'a rejoint, ça veut dire? Ah, ils prennent les noms des amis, mais c'est pas eux. Ah, ok. J'ai cru, putain. Je me suis dit, ah ouais, le mec il m'a rejoint et tout, quoi. Moi aussi, ça m'a choqué. Ouais, ils ont pas d'inspiration. Prennent les noms des personnes, les pseudos des gens qui existent.
GC Forza version mobile. Version mobile, ça existe? C'est toujours mieux que random, non? Ouais. Ça existe sur mobile? Je savais même pas. Et c'est comment? Ça sert à quoi? Ça fait quoi? Tu fais quoi, des courses? Ouais, mais c'est pas un Forza Horizon. T'as plusieurs Forza. T'as les Forza Motorsport. Je crois que tu fais que des courses. Et Forza Horizon, tu peux faire plein de trucs différents, quoi. Par contre, sur mobile, je vois pas ce que c'est. Qu'est-ce que je fais? Oh, oh non. Oh non. Cassez-vous. Ah ok, c'est que des courses duel 1v1. C'est aussi beau que ça ou pas? Enfin, je veux dire, il est beau le jeu ou... Ça fait vraiment vieux jeu mobile. J'ai jamais entendu parler en tout cas. Pas chaud en mobile. De quoi pas chaud en mobile? Je joue pas moi au jeu mobile, c'est ça que tu me demandes. Genre là, tu prends mon smartphone, y'a aucun jeu. Je crois qu'il y a... Si, je crois qu'il y a les GTA, c'est tout. Parce que j'y jouais à l'époque, mais c'est tout ce qu'il y a en fait. Non! Mais non! Ah, mais c'est pas fini! Oh, j'ai eu peur! Mais t'imagines, ça aurait été la fin, là. Horrible. Horrible. À la fin, je me fais dépasser par trois véhicules juste à l'arrivée, quoi. Horrible. Et c'est ce qui va se passer, ça se trouve, on sait pas. Hein. Donc, faut pas que je m'excite trop. Mais c'est chaud de ouf comme jeu. Jamais je terminerai premier, c'est impossible. Y en a qui arrivent. Faut être un bon professionnel. Hein. Vraiment, faut être pro de... Je sais pas... de la conduite. Je kifferais trop avoir le volant, les gars. Le volant pour jouer. Il y en a qui l'utilisent. J'ai vu, il y a plein de streamers qui utilisent un volant... Ça va être bien stylé. Non. J'ai pris un mur. Ça va me coûter. Ça va me coûter la vie. Ça va me coûter très très cher. Mais attendez, je lis le chat après parce que là on arrive près de la fin. On est premier. Hein. Oui. Yes. La conduite, oui, je sais pas, demande la vitesse. La conduite, c'est du boudinage de vitesse. Ok. Tu peux regarder en arrière, il est bloqué. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. J'allais faire B. En plus, moi, là, ma manette, ma vraie manette Xbox, elle marche pas, en fait. Ça accélère tout le temps. Enfin, ça recule, je crois que ça recule tout le temps. Genre, la touche, elle est bloquée. Du coup, je suis obligé d'utiliser une manette comme ça. Une manette, tu vois... une sous-marque. Une sous-marque... Parce que ma vraie manette, elle est, je sais pas, tout le temps. Il y a que les sous-marques qui tiennent bien le coup. Et toutes les manettes Xbox, je dois tout le temps en racheter, ça me saoule. Bah tu vois, blouson de motard marron. Vêtement. Tu vois, j'ai gagné un vêtement, Gaëtan, donc on peut changer de vêtement. Vous avez été déconnecté, vous réussissez ultérieurement, revenez en balade libre pour accepter, quoi. Salut John. On avance bien vers notre première aventure. Déconnecté de quoi? On est tous avec toi. Et comment ça marche pour le vêtement? J'ai ce message aussi de quoi? De tes connexions? De tes connexions? Donc c'est pas lié au cloud finalement. Et d'avoir du monde qui joue au jeu. Hein. Et d'avoir tellement de monde qui joue au jeu, c'est peut-être pour ça. Hein. Comment je fais pour le vêtement par contre? C'est pas là. Voiture, mon horizon. Allez à la maison, personnaliser le personnage. Le voyage instantané vers le festival Horizon. Mais on est au festival Horizon Mexico déjà là. Votre nom, vas-y, je vais personnaliser mon nom, j'ai pas donné de nom. John, ils m'ont mis. Choisir un nom, comment choisir un nom? Je peux pas écrire un nom? Pourquoi ils m'ont direct mis John? Et je peux pas choisir le nom que je veux? Non, je peux pas. Mais c'est quoi ce jeu? Carrière à la voix, pourquoi? Qui t'appelle?
Je voulais mettre le nom comme sur la plaque. J'ai mis Evaline sur la plaque. Mais c'est un nom qui ne sera jamais dans le jeu, ça. Ou alors, faudrait, y a pas genre un truc qui ressemble Eva, genre Eva. Pour, tu vois? Pour faire diminutif de Evaline. Ça le fait, non? Du coup, elle va l'appeler Eva. Ça va être stylé de ouf. Alors, on peut changer les vêtements. T'as été où pour changer? J'ai fait start. Start et merde, je sais plus. Retour à la maison, je crois, un truc comme ça. Par contre, les t-shirts sont pas ouf. Hein. Je vais pas te mentir. Ah merde, faut acheter. Je vais utiliser la veste déjà. Et le reste, c'est payant. Putain. Il y a des robes aussi. Je vais prendre le jean parce que le short est vraiment moche. Quoi, maintenant faut le payer pour l'avoir? Alors que je l'avais jusqu'à maintenant? Et moi je prends le jean. Hein. Je prends le jean. Ouais. Je regarde s'il y a d'autres trucs, mais. Les vêtements, de toute façon, c'est pas ouf dans le jeu, mais après je sais que c'est pas fait pour. C'est pas fait pour ça, quoi, le jeu. Hein. C'est pas les Sims, hein, non plus. Hein. Après, moi j'aime bien avoir le personnage pour le personnaliser et tout. Chaussures. Mais une jupe, pourquoi? C'est pas, elles sont pas ouf. Salut Supernova, comment tu vas? Salut, salut. On a des petites chaussures plates roses. Chaussures plates noires. Qu'est-ce qu'on peut lui mettre en vrai? Chaussures en classique noire. Elle a quoi comme chaussure là? Celle-ci, ouais, c'est pas ouf. Ouais, c'est pas non plus... Ouais, je sais. Mais on a joué là depuis tout à l'heure, Nova. Nova, il croit que je découvre là. Botte en cuir noir vernis, botte en cuir noir. On va prendre cela. Hein. J'ai dépensé de la thune, hein. J'ai dépensé pas mal de thunes. Hein. Je reste pour les views, mais je go jouer aussi à toutes. Ok, à toutes, Gaëtan. Il te faut des clochettes sur Animal Crossing. On a joué tout à l'heure à Animal Crossing. J'ai plus d'argent. Oh, stylé les lunettes rondes. Stylé, stylé. Les masques, mais putain, il y a vraiment les masques Covid et tout, les gars. Coronavirus. Alerte coronavirus. Est-ce que je l'ai toujours le son Non, mais les gars, ils ont mis vraiment les masques. Alerte coronavirus. Non, mais c'est même dans ce jeu, voilà. Même dans Forza Horizon 5, on a le Covid, les gars. Oh, la montre de Marty McFly, les gars. Ouais, pour l'instant, je pense qu'on attendra puisqu'on a plus d'argent de toute façon. Et il y a des tenues aussi comme ça, totales. On a des tenues totales comme ça. Stylée celle-là. Stylée de ouf. Légendaire. Comment on obtient des trucs légendaires? Oh, le costume est aussi classe. Comment on obtient? Emotes. Ah, il y a des emotes, ok. C'est Fortnite. Ok, la classe. La classe intersidérale. Il nous reste que 2000, on peut même pas changer le t-shirt, ça me dégoûte. Ça me dégoûte, on a qu'un t-shirt, les gars. Bon, on verra après de toute façon. On verra après de toute façon. On voit jamais, comme dit Nova, on voit jamais le véhicule. Hein. Garage, mes voitures, collection de voitures. Vous avez obtenu une nouvelle voiture. Ouais, bon, ça fait un petit moment qu'on l'a obtenue. Hein. Voilà, c'est ça mes voitures. Pour l'instant, on a 5 véhicules. Acheter et vendre. On peut acheter et vendre. Boutique indisponible, salle des ventes, acheter et vendre. Des voitures. La salle des ventes permet de vendre et d'acheter des voitures au festival. Si okay. T'y vas, invite-moi, d'accord? J'adore ça. Les jeux adorent Metro Horizon? Comment ça, Metro Horizon? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire du coup?
Ouais, je pense qu'il bug le online de Xbox. Tout un panneau détruit. Il y a des panneaux à détruire aussi. Il y a des panneaux à détruire, les gars. C'est là où il y a écrit XP, les panneaux, c'est ça. Hein. Mais t'as joué à Forza, toi, Supernova, ou pas? J'ai pas parlé un peu fort, là. Je crois que c'est pas j'ai le son fort, moi. Je pense que vous, ça va, mais moi, j'ai le son super, super fort. Alors, attendez, où sont les... Pourquoi j'ai remporté un tirage? Et comment on utilise les tirages, les gars? Comment... J'utilise les tirages, attends, super tirage. Merde. J'utilise le super tirage. Ah non, c'est un tirage juste. Non, aucun tirage. Vous avez aucun super tirage. Mais pourquoi ils m'ont dit récompense tirage? J'ai obtenu un cadeau. Bon, allez, on s'en fout. Je comprends pas. Donc le panneau là, il est où? Là normalement il y a un panneau. Animal Crossing New Horizons, Horizon Zero Dawn et Forza Horizon. Ouais, c'est parce que c'est l'horizon là, en ce moment. Voilà, les gars! T'as vu ça? C'était un panneau d'XP. L'équipe d'Horizon en a caché dans tout le Mexique. Il y en a plein d'autres à découvrir. Ah, faut détruire les panneaux d'XP. Okay. Je croyais que c'était tous les panneaux, non? C'est juste les panneaux d'XP. Putain, et je nique des véhicules là comme ça. C'est pas grave ça? Ouais, je pense que si. Hein. Voilà un petit panneau détruit. Et quand on a les 200, bah je sais pas ce qui se passe. Hein. Les 250, pardon. On a détruit 2 sur ce 250. Ouais, c'est ça, ils adorent le mot horizon. Mais Forza Horizon, ça fait longtemps que ça existe. Et nous, on peut avoir des motos ou c'est que des voitures, les gars? Nous, je pense que c'est que des voitures, non? Putain, par contre, dans le 4, il y avait un truc en mode... Il y avait un DLC Lego. Il y avait un DLC Lego, c'était assez ouf. Je vois pas le... Ah si, il est là le panneau. Que des voitures, ok. Donc là, il y a un truc, c'est quoi? C'est une course? Nouveau. On va aller voir. Donc là, le panneau XP, c'est bon, il est détruit. Oula. Oula, oula. En vrai, je peux passer par là, on est dans le désert, les gars. On peut couper, hein. Y a pas de problème. Hein. Bon, certes, on va un peu plus patiner sur le sable, mais. Voilà, pas de soucis. Hein. Alors, normalement, c'est une course, je crois. Mixte, c'est quoi épreuve mixte de quoi? De mule G. C'est une course sur terre. Ok, let's go, on va faire ça. Recommander. Lequel je prends? Tenue de route, lui, il a une meilleure tenue de route, hein. Moi je pense que ouais, lui plus tout terrain, je sais pas. Vas-y, on prend lui, on l'avait déjà utilisé précédemment. T'as cru, tu es dans Riders Republic. Riders Republic, c'est ouf en vrai. Il est trop bien ce jeu. Je le prends pas parce qu'il y a tellement de jeux qui vont sortir et les gars, je peux pas me permettre de prendre tous les jeux non plus quoi. Donc voilà. On peut pas se permettre les gars de prendre tout et n'importe quoi. Et non. Il y a les GTA qui vont sortir et les Pokémon qui vont sortir. On a pris le DLC aussi, Animal Crossing. On vient de prendre Forza Horizon. On a beaucoup de choses. Hein. On est gâtés en novembre là. Est-ce qu'il y a des gens en décembre? Je sais pas. On est gâtés en novembre. Souvent les mois de novembre on est gâtés comme ça. Après on est gâtés aussi au mois de janvier, fin janvier. Début février, souvent, il y a des jeux qui sortent. Et est-ce que ce jeu tournera sur la console portable de Valve Steam Deck? Ce serait incroyable, ce serait trop trop bien, les gars. Ce serait super kiffant, en vrai. Les gars, est-ce que ma vidéo sur YouTube est sortie ou pas? J'ai une vidéo qui devait sortir aujourd'hui. Ah, Advanced Wars, ouais. Advanced Wars. Ah bon.
Ça m'intéresse pas moi personnellement, mais... je préfère garder mon argent pour d'autres jeux. Oula, oula, oula. C'est vrai que sur les routes comme ça, ça glisse beaucoup, en plus il pleut. Enfin, il pleut pas, mais la route est mouillée, donc il a plu, hein, précédemment, il a plu. Et en plus, il y a de la terre aussi. Est-ce que je l'ai passé, le point de contrôle? Je crois, oui, que ça me l'a comptabilisé. Hein. Ça me l'aurait dit, je pense, si ça n'avait pas compté, le point de contrôle, de toute façon. Mais en vrai, les jeux avec les points de contrôle, je sais pas pourquoi, ça me dérange un peu. Parfois, ça aide. Mais là on peut les rater et tout, et du coup je trouve ça chiant. Ça sert à quoi la touche où on peut parler à Anna, truc du bas? Faudrait que je teste. Créateur de Fire Emblem. Fire Emblem, j'ai jamais touché un Fire Emblem de ma vie les gars, voilà, je suis honnête avec vous. J'ai jamais joué un seul Fire Emblem de ma vie. Il y a tellement de jeux qui existent qu'on peut pas jouer à tout malheureusement, mais voilà, hein. Faut de l'argent pour tout acheter. Faut aussi le temps pour pouvoir jouer à tout, on a vraiment pas le temps de tout faire. Hein. En ce moment en plus avec le DLC Animal Crossing on est beaucoup pris, hein, tu vois. Non mais je joue pas au jeu mobile, je t'ai dit, ami PSG, même pas le mobile, mais bon. Je t'ai dit tout à l'heure que je joue pas au jeu mobile. Le seul jeu mobile que j'ai joué, c'est les GTA, le GTA qui est sorti sur mobile. Et d'ailleurs, elle va ressortir encore, mais avec du coup les remasters. Le remaster sur mobile, ce sera l'année prochaine. Là, ce sera d'abord les consoles. Switch, Xbox, PC, voilà. Et puis ensuite, les mobiles l'année prochaine. Hein. Ça prend toujours un peu plus de temps. J'ai les yeux qui commencent à piquer, je crois qu'on a beaucoup joué aujourd'hui. C'est vrai qu'on a beaucoup live aujourd'hui. Comment ils font les mecs qui font des 24 heures de live? Ils doivent avoir les yeux qui brûlent, moi j'arrive pas. Hein. Ils doivent être éclatés, j'ai les yeux qui piquent à force de me concentrer sur un écran. Je sais pas s'il y aura un live encore ce soir. Hein. C'est vrai que là, ça fatigue un peu les yeux. Oui, j'ai les trois, j'ai Vice City, GTA 3 et San Andreas sur mon mobile. Pour l'instant on est premier les gars, donc c'est plutôt pas mal. Hein. Et on s'est pas trop fatigué, je pense que c'est parce qu'on a une voiture vraiment extrêmement bien appropriée pour ce circuit, je pense. On n'est pas en mode facile, hein, je vous le dis, parce qu'il y en a, ils vont croire. Hein, non, c'est pas facile les gars, on a pas mis en mode facile. Vous l'avez vu tout à l'heure de toute façon comment j'ai galéré. Hein. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. De toute façon, à tout moment, je peux faire une connerie et me faire dépasser. Hein. J'ai jamais remarqué que les personnages disaient le nom de notre joueur et tout. J'ai jamais remarqué, jamais fait gaffe à ça. Bon, maintenant, vu qu'elle s'appelle Evaline et qu'on a mis le prénom Eva, vu qu'on peut mettre que ça, bien peut-être qu'ils nous appelleront Eva, on verra. Ça peut être stylé en vrai. Evaline, tu vois, diminutif Eva, ça peut faire bien. Qu'est-ce qui est pas sur Switch, ami PSG? Ouf, il est pas sur Switch? De quoi? Les remaster GTA, si, sont sur Switch, hein. Bien sûr que si. Switch, Xbox, PlayStation et PC, enfin partout, vraiment partout. Ok. Forza Horizon est une exclusivité Xbox, Microsoft. Du coup, c'est PC, Xbox, exclus Microsoft, les gars. Ok, ça salut, c'est Eva. Fait. Excellent ah, travail. Salut Eva. On aimerait te faire participer. Oh, c'est trop stylé. Horizon qui va débuter. C'est trop stylé les gars. À très bientôt. Salut Eva. Faites demi-tour dès que possible. Ok, il faut dans que j'aille mètres, sur l'épreuve. Tournez à gauche. Wow, je galère avec ce véhicule. Qu'est-ce qui m'arrive? On va aller sur l'épreuve les gars, on va passer... Est-ce qu'on peut passer par l'eau là? Oui, évidemment. Dans 100 mètres, tournez à droite. Oula. Bon, on prend des routes un peu étranges mais... Non mais je le prends sur Switch GTA, c'est pas pour profiter des graphismes, de toute façon c'est un remaster. Donc je vais pas non plus m'éclater la rétine avec, c'est juste pour jouer en mode portable à l'IPSG.
J'ai déjà joué un milliard de fois à 3 GTA. Normal, pas de meilleur endroit pour jouer et faire des cascades avec d'autres pilotes tout en engrangeant des points pour la boutique Forza. L'épreuve démarre dans 2 minutes, donc ça veut dire que... Est-ce qu'il y a des autres gens qui jouent avec nous ou pas? Et je dois faire quoi? Je dois attendre ici pendant 2 minutes? C'est nul. Attendez, il y a un panneau là, XP. Il est où? Ah, il est là. Et du coup, les gens, ils vont se ramener là aussi? Je comprends pas. 4 panneaux sur 200 explosés. Et j'allais me promener, moi, en attendant. Le quoi? Le hub est très bien fait. De quoi tu parles? La carte. Attendez, des mini-jeux coopératifs disponibles en permanence. Relever des défis, réaliser des prouesses avec d'autres joueurs pour remporter des points Forzaton. Ça sert à quoi les points Forzaton? Affiché de distinction, c'est quoi? Ça marche pas. Parce qu'ils mettent la touche afficher distinction, ils mettent la touche, mais... J'appuie sur la touche, ça fait rien. C'est ça? C'est ici qu'on enregistre les distinctions que tu décroches. Magnifique, non? Ça se met à jour automatiquement en fonction de tes exploits à Horizon Mexico. Okay. Mais pour l'heure, tout ce que t'as à faire, c'est reprendre le volant et nous montrer ton talent. Ok. Alors, gagne obtenir une étoile. Donc j'obtienne les étoiles et tout, quoi. Ah oui, en plus, les gars, ça dépend des zones. Oh, il y en a plein, il y en a tellement. Parce que ça, là, c'est la première zone, ça. C'est notre zone actuelle, quoi. Avec les missions qu'il y a autour. Achetez votre première maison. Il y en aura une montre carré noir offerte en récompense. Là, on a un véhicule. Ah, on peut voir les récompenses qu'on va avoir. C'est cool, ça. Stylé de ouf, ça. Ah, il y a un mec qui est venu pour la course, là. Il y a un mec qui est venu pour la course, là. Regardez. Je crois, hein. Ouais. Spheroxium. Et du coup, ça marche comment? On attend là et ça va commencer direct. Imagine le mec qui passe là par hasard, boum, il est pris dans le truc, ça lance ou... Horizon Arcade commence dans 5, 4, 3, 2, 1, partez. Comment on klaxonne? Comment il klaxonne? Début de la manche 1. Une fois dans la zone de destination, réalisez le plus de sauts. Putain, mais ça va être dur, sa mère, je viens juste de commencer le jeu. Donc là, faut faire des sauts dans la zone. Est-ce qu'il y a des sauts disponibles ici? Je commence à 10h demain. D'ailleurs, moi, faut que je me lève à 10h. Je vais chez le coiffeur demain matin. Je vais chez le coiffeur demain matin à 10h. Mais comment je fais des sauts ici, les gars? Réaliser le plus de sauts. Attends, ils sont tous vers là-bas. Est-ce qu'il y a des trucs pour sauter, là? Ah oui, regardez, attends. Bah non. Je comprends pas. Est-ce que c'est considéré comme des sauts, les trucs que je fais, carambolage et tout, ou... Ah là 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 là. Ok. Ok, mon gars. Oui, mon gars. Oui, mon petit. On va essayer de le prendre de plus loin, les gars. On va essayer de le prendre... là-bas, ça marche pas, le saut. Ah, ça aurait été incroyable. Ouais, c'est pendant combien de temps? 8 minutes? Non. Bon, les gars, on fera ça et après, on verra ce qu'on fera, mais... faut pas que la vidéo dure trop longtemps pour YouTube. Comme ça, on aura fait la petite découverte de Forza Horizon 5 et puis on est bien. Saut ultime. Ah merde, le crash, ça a tout annulé, je crois. Non? Oh, je crois que ça a tout annulé. Je crois que ça a tout annulé, les gars. Crash. Ah non, crash 1000, ça rajoute. Dès que possible. Je sais pas du tout. J'ai mal à capter. Eh hey, mais attendez, il y a plein de panneaux XP et tout. Est-ce que si je les prends, ça rajoute encore plus de trucs ou pas du tout? On va les prendre après, voir.
Tour d'horizon 1000, Drift, Burnout. Burnout. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à Burnout. Il y a le Burnout, il y avait le remastered sur, sur Switch. Panneau XP 1000. Il y a plein de panneaux d'XP. Hein. Et le truc avec les éclairs, c'est quoi? Mario Horizon. Ah, pas de Mario, les gars, annoncé avant moins longtemps. Il y a le Mario Party qui est sorti récemment, qu'on a fait en live avec Popo, ainsi que sur... Attendez, là, donc là, faut faire un saut. Ainsi qu'en vidéo YouTube, n'hésitez pas à aller voir si vous avez pas vu. Si vous avez raté. Hein. En vrai, là, j'ai envie de faire tellement de sauts, les gars. Je vois plein de trucs, genre les avions et tout. J'ai envie de faire tellement de trucs. Alors, est-ce qu'on va l'avoir? Est-ce qu'on va l'avoir, là? Bon, normalement, oui, hein. Oui, on l'a! Oui, mon petit, oui! C'est un panneau de voyage instantané. Explose-les et t'auras une réduction sur ces voyages. Échanger contre quoi? Récupérer le lot? C'est ça? Ah, faut récupérer les lots direct? Nissan, voiture décernée. Ok. Ok. On a une voiture en plus. Explose-les tous et ils seront gratuits! Vas-y! Non! Oula. On a fait du deux roues, mais on s'est un peu explosé aussi. Progression du groupe. Et moi, c'est... Attends, mais c'est la progression du groupe, c'est pas la mienne ça? Y'a pas un panneau XP là? Il est où? What? Il est où le panneau? Il doit être planqué là-dedans, non? Je passe là? Ah oui, il est là. 3000 XP, hein. 3000 XP, hein. Il y aura des DLC dans les jeux, dans le jeu, dans les fichiers du jeu, dans quel jeu? Forza Horizon, c'est très bien qu'il y aura des DLC. Tu veux un New Super Mario Bros 3, Padaru? Faites demi-tour. La Super Mario Bros sur Switch, la U Deluxe. Mais attends, je comprends pas, faut continuer encore? C'est pas fini? 5 minutes restantes. Ah, je croyais que c'était terminé, moi. Je croyais que c'était fini, moi, les gars. L'XP, il doit être en haut de l'avion, non? On va essayer de monter sur l'avion. Faites demi-tour dès que possible. C'est lost, les gars. Ah non, faut aller dans la zone. Oh, faut que j'aille dans la zone. Attendez, je prends ça et après je vais dans la zone. Tournez à gauche. Vas-y, je vais dans la zone. Tournez à gauche. Je voulais prendre tous les trucs XP de la zone, là, c'est pour ça. C'est bon, j'y vais. C'est vrai qu'il faut changer de zone à chaque fois, en fait. C'est des défis à la suite. Dans 200 mètres, bon, après ça, s'il y en a encore beaucoup, on arrêtera la vidéo pour Twitch. Nous, je sais pas si on continuera sur Twitch, pour YouTube, je veux dire. Je sais pas si on continuera sur Twitch, nous. Mais la vidéo YouTube, faut pas qu'elle soit trop longue. Donc les gens qui sont sur YouTube, qui regardent cette rediff, cette découverte, cette vidéo découverte, n'hésitez pas à venir nous voir sur Twitch, voilà. On sera peut-être sur ce jeu ou un autre, pendant que vous regarderez la vidéo. Ou alors peut-être que je serai pas en live. Ça arrive aussi. Ouais, c'est possible. Hein. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord. Puisque dans le Discord, hein, tous les liens sont dans la description. Mais dans le Discord, vous êtes au courant de quand je live, quand les vidéos sortent. Et vous êtes au courant d'un peu tout. Puisqu'on parle de temps en temps entre nous. Voilà. Ils ont commencé sans moi, hein, quand même. Hein. Prenez la première sortie. Rien à foutre de moi. Hein. Alors, attendez, là ça peut être fameux. Là ça peut être incroyable. Oh, stylé. Incroyable, je vole les gars, je vole dans les airs, saut ultime. Saut ultime les gars. Quel cactus. Mais quel cactus. J'ai pas oublié l'objectif, comment ça? Tu fais de la déforestation, ça compte aussi, t'inquiète. T'inquiète pas, mi PSG, je sais très bien l'objectif. Je sais que comme ça, on dirait pas hein, que je suis en train de jouer correctement, mais je t'assure que je pense que ça va. Rendez-vous à la zone dans le 1000. Destination Horizon Arcade, ok, on y va. Dans le 1000. Ce jeu est incroyable, les gars, je vous le recommande à tous. Je le recommande à tout le monde, il est incroyable. Franchement, si j'étais jeune, là, j'aurais commandé pour Noël, les gars, je l'aurais mis sur ma liste. Hein. Mettez-le sur votre liste. Avec la Xbox, bien sûr, si vous ne l'avez pas. Hein. Avec n'importe quelle console. Hein. Toutes les consoles sont bien, les gars. Ici, il n'y a pas de garde-console. Hein.
T'as pas de Xbox, bah tu commandes pour Noël la Xbox avec le jeu et voilà. Hein. Espérons que le Père Noël soit généreux. Comment je fais là? Ok. Mais je vais me refoutre dans la merde, non, si je repasse là. Ok, non, attends. Comment je vais y aller? Mais c'est bon, j'ai compris là. Faites demi-tour dès que possible. Ah, je veux bien. Hein. Ok. On va prendre une route un peu mieux, les gars. Il y a trop de rochers partout là. Ils ont su qu'il y avait des mecs comme moi qui allaient faire le bordel. Dans 200 mètres, tournez à gauche. C'est bon, on y est. C'est bon, j'y suis là, ta zone, arrête. C'est normal qu'il me harcèle avec ce message, le jeu. Ah, c'est bon, je crois que c'est bon. Traverser les cibles dans la zone dans le mille. Quelle cible? Oula. Faites demi-tour dès que possible. Mais attendez, je sors. Le GPS me prend la tête. Mais comment ça, faites demi-tour? Destination Horizon Arcade, c'est là-bas que je dois aller, non? Je crois que le GPS il pète un câble. Hein. Là, il y en a une cible. Tu la vois pas la cible, elle est là. Dans le mille. Faites demi-tour dès que possible. Mais qu'est-ce qu'il me raconte le GPS, les gars? Je comprends pas. Dans 400 mètres, tournez à gauche. Nouveau calcul de l'itinéraire. Non, mais je crois que le GPS, il est niqué. Tournez à droite. Dans 200 mètres, tournez à droite. Okay. Ah, c'est moi qui ai peut-être pas suivi bien le truc, je sais pas. Temps écoulé. Échec de la manche 3. Vous n'avez gagné aucun point. Hey, y en a une qui commence bientôt. Tu veux essayer? Bon, vas-y, j'ai rien compris leur truc, les gars. On va aller faire une dernière course, je pense. Qu'est-ce qu'on a? On a une course là? Ouais, mais c'est la course qu'on a pas réussi tout à l'heure. Celle-ci, on a réussi. Je voulais essayer un truc de cross-country. Vous voulez qu'on essaye, voir? On va tester ce truc de cross-country, voir. C'est quoi le cross-country? Prenez le virage serré à gauche. Est-ce qu'il y en a qui connaissent? Sur cette chaîne, là, sur ce stream. Dans 100 mètres, tournez à gauche. Comme ça, on va tenter, puis on va voir. Hein. Le circuit Smeralda, on le retentera une autre fois. Je kiffe le jeu, hein. Vraiment, je kiffe le jeu. On fera peut-être ça l'après-midi, et puis Animal Crossing le soir, hein, je pense, on verra. Hein. Ce soir, peut-être qu'on fera, je sais pas, rien ou ça. Faut que je repose sur YouTube après, là. Je pense que je vais faire une pause, histoire d'aller aux toilettes. Voilà. Peut-être manger, je sais pas encore. J'ai pas faim pour l'instant. Mais je ferai une pause pour aller aux toilettes. Après, je reviens, on continue un peu le jeu et je couperai sûrement le live. Faut que je voie pour reposter. Je peux pas reposter sur YouTube pendant que je suis en live. Je peux pas. Nouveau record personnel. Très bien. Ce serait kiffant un jeu comme ça sur une console portable comme la Switch. Mais bon, bien sûr, on peut rêver hein, parce que c'est impossible. Hein. Parce que là, t'as pas mal de choses à faire, les véhicules sont cool, vraiment le dans jeu 400 est vraiment mètres, tournez à droite. Puis le jeu est magnifique, c'est ça, c'est pour ça qu'il est encore plus prenant que. Attendez, j'ai oublié un panneau de XP. Mais non, mais je coupe juste mes cheveux à mi-PSG demain. C'est à rien qui va changer, hein. Et crois-lui que je vais faire un relooking et tout. Ce sera la même coiffure, mais en plus court. Tout simplement. Voilà. Reste comme tu es. Oh merde, attendez, il y a un panneau XP. Bon après, si je m'attarde à chaque fois sur les panneaux XP, bah après c'est le but. Mais...
C'est vrai qu'on va jamais arriver à la course. Dans 400 mètres, tournez à gauche. Tiens ta gauche, là, voilà. Moi, j'y vais directement. Je coupe. Ok, ok, ok. Le cross-country, on va enfin découvrir ce que vous c'est. Vous avez atteint votre destination. Alors, solo. En tout cas, les courses, c'est pas mal. Est-ce que le cross-country va être bien? Bomber à travers des airs jusqu'à Mulger. Faites le show. Ah, c'est des sauts dantesques pour les autres mutueuses. Ok, on va voir, on va voir. On va prendre celui-là pour voir. On n'a jamais utilisé ce véhicule. On va le tester un peu. On teste un petit peu tous les véhicules histoire de voir un peu comment on se débrouille chacun des véhicules. Ce qu'on va mieux le mieux manier. Comme ça, on saura pour les prochaines courses ce qui est mieux pour nous, quoi. Voilà, voilà. Mon personnage en vrai à la classe avec les bottes, la veste en cuir et la casquette et tout. Le t-shirt peut-être un peu trop long. Je suis pas fan des t-shirts longs comme ça, mais c'est pas grave. Pour l'instant, on peut pas changer de t-shirt de toute façon. Allez, c'est parti, cross country de l'Oasis. Oasis, les gars. I don't believe that anybody feels the way I do. Le jeu est magnifique. Le jeu est incroyable. Le jeu est trop trop beau. Allez, on se concentre. Donc c'est une course, hein, toute simple en fait. Avec un finish, voilà, c'est pas un tour, y a pas plusieurs tours en fait, je crois. Il me semble que c'est genre une course, voilà, tout simplement. Mais du coup, c'est beaucoup plus dur, je crois, que cross-country. Ça doit être beaucoup plus difficile, non? Je sais pas. Parce que là, on est en plein, on passe un peu n'importe où, quoi. En plein désert. Et c'est mon premier Forza Horizon, je découvre donc Forza Horizon avec Forza Horizon 5. C'est la découverte totale. Et franchement, j'adore. Franchement, j'adore. C'est incroyable, c'est magnifique. Ouh là 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 là. Prof d'art plastique a créé la box avant mon gros studio gros, un truc super. Ah, c'est cool ça, c'est bien ça. C'est bien ça, putain. Et du coup, elle a des bonbons à poison, quoi, c'est trop bien. Quelle technique. Oula. Bon, est-ce qu'on va y arriver, les gars? Est-ce que vous pensez qu'on va être premier? Suspense. Au pilotage propre ultime. Saut ultime. 500, 3500 fois 1,5. Je comprends jamais ces trucs-là, les gars. Faudra m'expliquer, mais je comprends pas. C'est un peu en mode Tony Hawk Pro Skater. Genre, dès qu'on fait des sauts et tout, on obtient des... C'est quoi, du XP? Et quelle est l'utilité? Ah, on a un niveau, je crois, on a un niveau, non, de... Il semble qu'on a un niveau dans le jeu. Un niveau de pilotage, non, je sais pas. Je sais pas du tout, faudrait voir. Je suis sûr qu'il y a des choses dans le jeu que je sais même pas encore. Oui, il y a des trucs qu'on n'a pas découvert. Pour l'instant, je kiffe bien. On a pu tester quelques petites courses. Cross country, j'aime bien en vrai, j'aime bien. C'est de la découverte, c'est pas mal. On découvre le paysage, un peu j'ai l'impression qu'on se promène. Tu connais? Ouais, je connais Bayonetta, ouais, je connais. Terminé premier, les gars, avec quelle meilleure chute pour terminer cette vidéo avec cette course cross country premier. C'est incroyable, c'est trop bien. Quelle meilleure chute. On termine bien, on finit bien quand même. Voilà. Gagnant, Joe in Real Life. Donc Evaline, qui est surnommée Eva du coup, puisqu'il n'y avait pas le nom. Voilà. Mais c'est pas grave, c'est très bien en vrai, Eva. Ça veut dire qu'on a un peu une intimité avec la personne. Voilà, elle nous appelle par notre surnom. C'est pas mal en vrai, ça passe. L'eau, c'est la meilleure des boissons. Ben oui, évidemment, l'eau, c'est la meilleure des boissons. Oh non, je voulais le véhicule! Bon, c'est pas grave, on a de l'argent, on pourra s'habiller un peu mieux, on pourra mettre de meilleures culottes. Ouais, bon. Et qu'est-ce que je voulais acheter déjà tout à l'heure? Je voulais acheter un truc. Ah, les lunettes? Ouais, les lunettes, non, j'ai pas trop envie pour l'instant. Salut l'ami! Mais j'aurais préféré le véhicule, moi, que l'argent. Retrouve-moi à Mouleret. C'est parti pour notre première aventure avec en prime un petit secret. J'ai un truc à découvrir, les gars. Retrouver à la maison de Mulger. On fait ça d'abord, les gars. J'ai pas envie de quitter maintenant. Tournez à gauche. Où est-ce qu'on fait ça hors vidéo, en live? Dans 100 mètres,
Tournez à droite. Est-ce que ça va durer longtemps, ça? Bon, on peut faire le début, en tout cas. On va juste y aller, voir ce que ça fait, et après on quittera au pire. Ah, c'est pour acheter la baraque, je crois, les gars. On en a plus d'argent, nous. Est-ce qu'il va nous l'offrir? Attendez, on regarde ça. On a une expression en espagnol. Tu l'as peut-être déjà entendu. C'est plus que ma maison et ta maison. C'est aussi le foyer et la famille. D'accord. Horizon et le Mexique. Donc il me donne sa maison? C'est la famille. Bienvenue dans ton nouveau chez toi. Forza Horizon 5, les gars! Magnifique! Jeu incroyable! Magnifique! N'hésitez pas à le demander au Père Noël, les gars. J'espère qu'il va vous gâter. Hein. J'espère qu'il sera généreux pour ce Noël. Oui, je connais Ami Piégé, je connais tous les jeux vidéo pratiquement. J'ai beaucoup joué dans ma vie un jeu vidéo. Dès que c'est bon pour toi. Ok, donc c'est bon, on a une maison. Ben, j'ai bien fait d'y aller avant la fin de la vidéo. Alors, personnaliser le personnage, qu'est-ce que je voulais acheter tout à l'heure? En vrai, on est bien, je crois que c'était un t-shirt. Pas mal, hein? Tu peux y garder tes vêtements et te changer quand t'es chez toi. Les t-shirts sont pas ouf. Il paraît que t'es le pilote le plus stylé de tout le festival. T-shirt rentré noir, c'est bien sinon. On va prendre ça, je pense, hein, les gars. On s'en fout de la thune, on s'en refera de toute façon. On s'en refera, il nous reste plus que 7000, mais on se refera de l'argent. On va se refaire, ou alors on va se refaire niquer, on va perdre de l'argent. Les robes, en vrai, elles peuvent être stylées, en vrai. Mais faut tester. Faut voir. De toute façon, on n'a pas beaucoup d'argent pour l'instant, donc... on peut pas se permettre de tout essayer, quoi. Je kiffe les lunettes rondes. Moi, j'ai surtout envie d'acheter ceux-là. Est-ce que ceux-là, ils sont... Mais tourne pas la tête, toi! Celles-là aussi sont pas mal, les lunettes rondes, je kiffe, je sais pas pourquoi. Attendez, j'ai gagné une montre, non? J'avais pas gagné une montre? Non. Je croyais. Ah non, on peut la gagner, je crois. J'avais vu qu'on pouvait la gagner, mais je l'ai pas gagnée. Pour moi, la course, ça se résume à des pas de danse. Tu les apprendras au festival et tu me les montreras ensuite. Utilise l'émote m'as-tu vu avant la course et l'émote de victoire quand t'as gagné. Ok, ok. Bon, bah on va quitter la maison, hein. Danse McGregor. La prochaine étape de l'aventure Horizon est fin prête. Ramiro a indiqué les antennes potentielles dans une optique d'élargissement, ainsi que les nouvelles épreuves à déverrouiller. À toi de voir. Où est-ce que tu veux aller en premier? Ah, je peux faire les épreuves comme ça. Ça bat de l'aile. Bien le Mexique, ça bat de l'aile. Je comprends pas, ça change quoi? Là, j'étais là. Les trucs comme ça, on peut les sélectionner déjà de base. Programme de l'antenne. Attends, mais c'est des différentes zones en fait, je crois. Ah, ça a l'air stylé, ça a exploré. Un volcan actif, hein. Devenez cascadeur le temps d'un film. On va aller là-bas, je crois. Hein. À Baja, expédition de Baja. Baja. Super. Tu pourrais te perdre des années dans le barat. C'est pour ça que j'étais avec moi, non? J'arrive. Retrouver Maramiro à l'expédition de Malja. Ok. Donc achetez votre première maison. On a notre première maison. C'est stylé en vrai. Faites demi-tour. Attendez, je vais voir la maison. Ah, c'est une petite maison. Dommage qu'on puisse pas sortir du véhicule et tout. Après, ça s'appelle GTA. Hein, sinon. Dans 100 mètres, tournez à droite. Oui, il y a des explorations. Ok. Alors, attendez, comment on fait pour sauvegarder? Je pense que ça sauvegarde automatiquement. Hein. À mon avis, ça doit sauvegarder automatiquement. Aventure Horizon, c'est ça, ok. C'est stylé en vrai. En gros, c'est ouais, c'est l'aventure quoi. C'est des trucs de l'aventure. T'as cru, tu es encore dans Rider Republic, ouais. Bon, je pense que ouais, on va arrêter la vidéo ici pour YouTube avant d'y aller. Et puis je verrai si j'y vais en live ou on verra ce que je ferai, si je continue le live ou pas. Merci en tout cas de nous avoir suivis sur YouTube les gars. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo sur Forza Horizon 5, la petite découverte. Voilà, je reposte ça juste après. Merci beaucoup. Allez, ciao tout le monde!